Bonjour mes petits violonistes. Bien, aujourd'hui je vous propose de continuer le travail sur les premiers et seconds doigts, mais sur deux cordes. Voilà, donc nous aurons un premier exercice, un second exercice et une petite mélodie sur une seule corde. Bien, on va commencer. Premier exercice, donc sur deux cordes, on le lit. À 4-4. 1, 2, 3, 4. Ré, la, mi, la, fa, la, mi, la, a. Et vous pouvez recommencer à la maison. Bien, on va le jouer en pizz. 1, 2, 3, 4. Je laisse poser le premier doigt. Deuxième doigt. 1. On recommence. Placez bien le coude sous le violon. Deuxième doigt. Et on finit avec un ré. Vous ferez bien attention de bien placer votre coude sous le violon. Hein, de manière à rapprocher les doigts qui sont posés corde de ré un petit peu de la corde de sol. Sans quoi, si vous les posez mal, vos doigts, et surtout trop près de la corde de la, deux cordes vont toucher. Hein, faites attention, rapprochez vos doigts un tout petit peu de la corde de ré et posez-les bien sur le bout des doigts pour ne pas toucher. Bien, nous allons faire un premier travail avec les notes détachées, tout larchées, et un second travail, c'est pour ça que je vous ai mis les liaisons en pointillés, une deuxième fois, liées par deux. Allez, tout larché, du talon à la pointe, de la pointe au talon. On y va, ensemble. 1, 2, 3, 4. Votre archet des deux cordes. On n'a pas besoin de basculer sur la corde de ré trop près de la corde de sol, ni quand on est corde de la trop près de la corde de mi. Hein? Votre archet se promène comme une petite vaguelette sur la corde de ré et sur la corde de la. Allez, on y va, on partage l'archet en deux, on n'arrêtera pas l'archet entre les deux notes. Hein? Une note jusqu'au centre et l'autre jusqu'à la pointe. 1, 2, 3, 4. Coude sous le violon. 1. Deuxième doigt. On recommence. 1. Et on finit avec un ré. Travailler cet exercice, corde de sol et corde de ré. On ne passera pas par les pits, vous le ferez à la maison. Sol, ré, la, ré, si, ré, la, ré. On va faire d'abord un travail tout larché. 1, 2, 3, 4. Sol. Premier doigt là. Trois, quatre.
faites bien attention de bien basculer votre coude de manière à ce que les doigts ne touchent pas la corde de ré, sans quoi ça va grincer, ça va siffler. Bien, on continue, second exercice. Alors on le lit d'abord, on y va, à 4-4. 4-4. 1, 2, 3, 4. La, ré, si, ré, do, ré. Ici, si, ré. En pit, ce coup-ci, on bascule de la corde de la à la corde de ré. 1, 2, 3, 4. Si, premier doigt, corde de la. On le laisse poser. Deuxième. Premier. On recommence. Premier. Voilà. Dans cet exercice, j'ai pas besoin de basculer de trop mon coude sous le violon, sans quoi mes doigts vont toucher la corde de ré. Au contraire, ici, mes doigts s'approchent un tout petit peu de la corde de mi, de manière à ce que quand je pose les doigts corde de la, ils n'aillent pas toucher la corde de ré. Hein? Voilà, mais ça, ce sont des sensations, hein, petit à petit. C'est pour ça que je vous dis que le travail en pitch est très, très, très important. Voilà. Tout l'archer. 3, 4. Cet exercice, corde de mi et corde de la. Vous pourrez aussi le travailler à la maison, corde de ré et de sol. Hein. Après, vous pouvez faire tous les mélanges possibles et inimaginables. Donc, on fera mi, la, fa dièse, la, sol dièse, la, fa dièse, la. Hein. On va faire directement ce travail tout l'archer. Mais à la maison, faites-le en pizza. N'oubliez pas, passez toujours par les phases de travail. Voilà, c'est très important, de manière à placer correctement vos doigts. Détachez. 3, 4. Premier doigt, fa dièse. Sol dièse. On va le dire. Trois dièses à la clé. Le fa, le do et le sol. N'oubliez pas l'ordre des dièses. Fa, do, sol, ré, la, mi, si. Les dièses sont toujours dans le même ordre. Ça ne change jamais. Donc les trois premiers s'appellent fa, do, sol. Ce qui veut dire que dans ma partition, tous les fa, tous les do, tous les sol seront dièses. Sauf si évidemment
je trouve le bécard. Ce qui n'est pas le cas dans cette mélodie. Hein? On la lit. On est à 4-4. 1, 2, 3, 4. La, la, si, do, la, la, do, do, si, si, la. Chut, et je reviens ici. J'ai oublié de vous mettre les deux petits points. Hein? Mais on refait deux fois. En pizz. Donc on est corde de la. On se place corde de la. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Les deux doigts ensemble. Et 1, 2, 3. Chut, je recommence. Ensemble. Et 1, 2, 3 et chute. Et pour terminer, nous jouerons cette petite mélodie avec l'archer. Donc toujours les noirs, on continue. Moitié d'archer, les blanches, tout l'archer. On est au talon, moitié d'archer. 1, 2, 3, 4. Sur deux cordes et cette petite mélodie qui vous permet de renforcer le travail avec le second doigt. Bien, bah écoutez, si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce et à très vite pour une prochaine vidéo. Bon travail !